trois axes représentent notre espace tridimensionnel. Un axe X représenté par une ligne rouge, un axe Y en vert, un Z en bleu. Voyons maintenant les caractéristiques de l'outil déplacé de SketchUp à travers cet espace tridimensionnel. L'outil déplacé de SketchUp est représenté par une icône à quatre flèches, de directions opposées. Les touches directionnelles de notre clavier permettront de bloquer le déplacement d'un objet, suivant un axe de notre scène choisie. Flèche du haut pour l'axe Z, celle de gauche pour Y et celle de droite pour X. Autre touche, celle de majuscule pour un blocage sur une direction de ligne inférent. Voyons tout cela en pratique. Notre outil est pour le moment paramétré en tous sens. Actionnons une seule fois la touche flèche de droite, représentant l'axe X. Maintenant, notre déplacement est bloqué sur la direction de l'axe X de la scène. Nous remarquerons que notre déplacement peut être stoppé sur des points inférents. Actionnons maintenant la flèche de gauche. Notre direction de déplacement est dorénavant celle de l'axe Y de la scène. Et enfin la direction Z en utilisant la flèche du haut. Voyons maintenant la touche majuscule pour une direction donnée par une ligne inférent. Traçons une ligne quelconque. Puis déplaçons l'objet jusqu'à que notre direction détecte la ligne et que celle-ci se colorise de couleur magenta. L'inférence est activée. Cette fois-ci, nous maintenons la touche majuscule enfoncée lors de notre déplacement. Notre déplacement est bloqué sur la direction de notre ligne. Deuxième chapitre, copier par déplacement à l'aide de la touche contrôle du clavier. Nous bloquons en X notre déplacement. Puis actionnons une seule fois la touche contrôle. Un petit plus apparaît sur l'icône du pointeur. Nous entrons une distance au clavier. Ici 2 mètres. Puis actionnons la touche clavier entrée. Tout en gardant notre outil actif, nous ajoutons un facteur, ici 5 précédé d'un astérix du pavé numérique. Puis actionnons la touche clavier entrée. Nous avons ainsi réalisé 5 copies de l'objet, avec pour distance entre chaque d'entre eux de 2 mètres. Renouvelons l'exercice cette fois sur l'axe Y à une distance quelconque, laquelle sera divisée en 2, pour réaliser la position de notre copie. Nous utilisons le sigle de division de notre pavé numérique. Tous composants copiés par SketchUp auront une même définition. Aussi, Woody offre un outil réalisant une définition unique à tous les composants de la scène en un seul clic. L'outil, mettre toutes pièces uniques. Créons maintenant des copies par multiplication sur une direction de ligne inférent. Nous vous remercions de votre attention. Rendez-vous au prochain tutoriel.